Salut tout le monde, c'est RDRGF. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo configuration PC à 1500, 1600 et 1700 euros cette fois. Je vais vous présenter tous les composants un à un, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc pour la configuration à 1500 euros, on va se retrouver pour le processeur avec un Ryzen 5 3600, c'est un excellent processeur 6 coeurs 12 threads de 3ème génération, il fait toujours très bien le travail, il se trouve aux alentours des 200 euros, il est parfait pour le gaming, le montage, le stream, tout ce que vous voulez, vous pouvez vraiment tout faire avec. Pour la carte mère, on se trouve chez MSI avec la B550 Gaming Plus ou la B550 Tomahawk. C'est à vous de choisir celle que vous préférez, la Tomahawk étant un peu plus chère mais aussi un peu meilleure. La Gaming Plus étant un peu moins chère et un peu moins bonne mais toujours excellente. Pour la RAM, on se retrouve chez Crucial avec 16Go en 3200 MHz RGB. Donc c'est des très bonnes RAM K16, ça vous permettra de faire du gaming, du montage. Pour le stockage, on se retrouve avec un combo double SSD, donc un PNY Accelerate de 1 Tera en NVMe et un Crucial MX500 de 1 Tera en 2,5 pouces. Comme ça, vous avez 2 Tera de SSD, c'est rapide, c'est silencieux. Pour la carte graphique, ensuite, on est sur une 3070. Là, en l'occurrence, c'est le modèle Zotac. Vous pouvez choisir n'importe quel modèle, mais le modèle Zotac est le moins cher et sincèrement c'est un excellent modèle. Il est assez bien refroidi, il coûte pas trop cher, il est bien overclocké, c'est vraiment un excellent modèle, il est bien construit. Après vous pouvez prendre une carte plus haut de gamme si ça vous intéresse. Bon, bien sûr, faut tomber sur les stocks. Pour le boîtier ensuite, on se retrouve avec le MSI MagForge 100R, donc vous pouvez choisir votre boîtier bien évidemment en fonction de vos goûts. Je vous conseille de prendre un boîtier qui a un minimum d'airflow, sinon votre PC il va chauffer. Donc le MagForge 100R est très bien pour ça. Vous pouvez aussi prendre par exemple un P300A qui est tout noir, c'est-à-dire il n'y a pas de RGB, ou un P400A par exemple de chez Fantex. Au niveau de l'alimentation, on se retrouve avec une Seasonic Focus GX de 650 watts, donc c'est une 80 plus God full modulaire, donc vous pourrez faire un plus beau cable management avec. C'est une alimentation qui est super fiable, j'ai exactement la même, elle est vraiment parfaite, en plus elle est garantie 10 ans, donc garantie 10 ans sur une alimentation, je veux dire, vous êtes quand même assez large. Ensuite, pour la configuration à 1600 euros cette fois, on se retrouve avec le même processeur, donc le Ryzen 5 3600, qui est un très bon processeur, il fait très bien le travail. Vous pouvez prendre un 3700X selon votre utilisation. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce propos qui va s'afficher dans la fiche en haut à droite. Si vous faites vraiment du gros montage, des gros rendus ou des choses comme ça, vous pouvez peut-être passer sur un 3700X, mais le 3600 est quand même largement suffisant. Voilà, c'est juste, si vous voulez encore plus de performance, passez sur un 3700X. Mais sincèrement, pour cette config-là, le 3600 est largement suffisant. En plus de ça, j'ai mis un water cooling, donc un MSI Mag Core Liquid 240R, donc c'est un très bon water cooling en 240 mm. Pour la carte mère, on se trouve avec la B550 Gaming Plus ou Tomahawk toujours, là c'est vous qui faites votre choix. Pour la RAM, c'est toujours 16Go en 3200 de chez Crucial en RGB. Pour le stockage, c'est toujours 2 SSD, donc un PNY de 1 Tera et un Crucial MX500 de 1 Tera. Pour la carte graphique, c'est toujours une 3070, j'ai laissé le modèle Zotac qui est vraiment très bien, vous pouvez changer si vous voulez. Pour le boîtier, c'est toujours un MagForge 100R, vous pouvez choisir bien évidemment votre boîtier, prenez un boîtier qui a de l'airflow comme pour le PC précédent. Pour l'alimentation, c'est toujours la Focus GX de 650 watts 80 plus gold full modulaire. Ensuite, pour la configuration à 1700 euros, cette fois on se retrouve avec un Ryzen 7 3700X, c'est un excellent processeur. Vous pouvez prendre un Ryzen 5 5600X si vous faites plus de gaming, il sera meilleur en gaming, mais le Ryzen 7 3700X a plus de cœurs, donc il sera meilleur et en multitâche, en montage, en stream, etc. Ensuite, pour le water cooling, c'est toujours un Core Liquid de 240 mm. Pour la carte mère, c'est une B550 Tomahawk de chez MSI. Pour la RAM, c'est 16Go en 3600 MHz, 2x8 barrettes en RGB de chez Crucial. Pour le stockage, c'est toujours la même chose, un SSD Accelerate de 1 Tera en M.2 et un Crucial MX500 de 1 Tera en 2,5 pouces. Pour la carte graphique, c'est toujours une 3070. Pour le boîtier, j'ai mis un P400A, vous pouvez choisir le boîtier qui vous convient, avec de l'airflow toujours. Et pour l'alimentation, c'est toujours une 650 watts. Vous pouvez prendre une 750 watts si vous allez faire des gros upgrades dans le futur, par exemple une 3080, 3090, et un processeur comme un Ryzen 9 par exemple. Mais c'est vraiment une alimentation qui est déjà très large. Hein. Vous avez quand même pas mal de marge, vous pouvez overclocker sans souci avec 650 watts sur cette config, donc c'est très bien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations, Si vous voulez plus d'informations et que vous avez des questions, vous pouvez venir me demander ça, soit en commentaire, soit sur Discord. Lien de mon Discord en description. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire, vous pouvez activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et vous pouvez mettre un like si cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.